Bonjour, je suis Charlotte Libert, maire de Vincennes. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, au mois de mai, effectivement, nous aurons la chance d'accueillir la troisième édition du Vincennes Image Festival, qui est en fait un événement pour les Vincennois maintenant, qui s'y sont habitués. Et parce que, évidemment, le lien avec le Club Image de Vincennes est très ancien, et donc ce festival n'a pas lieu par hasard. C'est aussi une histoire qui lie la ville à l'image et qui lie la ville à ses habitants. Et donc tout le monde est très heureux d'accueillir cette troisième édition. Vincennes est une ville d'art et d'histoire. C'est un des labels que nous avons obtenu. C'est historiquement un lieu de culture, Vincennes. C'est une ville de culture et la photo est évidemment de l'art que nous souhaitons voir se développer. L'histoire aussi qui lie Vincennes au cinéma en général, à la photo par ailleurs. Et c'est vrai que Vincennes a une vocation à accueillir ce genre de festival qui rapproche à la fois les populations de l'art et puis qui est dans la tradition de la ville de Vincennes. Vincennes est effectivement au pied de Paris, j'allais dire, et bien sûr Paris a une offre culturelle très importante, mais je crois que le festival a fait ses preuves, et donc au-delà de l'attraction locale, et en tout cas de l'intérêt local des Vincennois, je crois que la troisième édition, elle va aussi rayonner beaucoup plus large, probablement au niveau régional, voire au niveau national, et c'est avec une grande fierté qu'on vit ça aussi de notre côté, parce que bien entendu, à travers ce festival, et de manière générale, à travers les animations culturelles qui ont ce rayonnement qui va au-delà juste de Vincennes, c'est aussi pour nous une grande chance que de faire vivre ça à Vincennes. Alors cette édition, cette troisième édition, c'est la première pour moi en tant que maire, évidemment, ce n'est pas pour moi la première en tant que Vincennoise, et comme je vous le disais tout à l'heure, les Vincennois sont déjà très habitués, en fait ils attendent cette édition, et moi pour ma part, je l'attendais aussi en tant que Vincennoise, je l'attends d'autant plus en tant que maire. Et donc pour moi c'est une vraie joie d'accueillir ce festival, et qui, encore une fois, va recréer du lien social, et c'est bien aussi toute l'ambition de faire entrer l'art dans la ville. Alors, les thèmes photographiques, j'en ai eu quelques-uns, oui. J'aime beaucoup les photos de montagne, en ce qui me concerne, les paysages, en fait. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais un vieil appareil dont je me servais de temps en temps, mais je n'ai pas sauté le gap de la technologie, mais l'argentique, j'y tiens beaucoup, et je continue d'en faire un tout petit peu de temps en temps, notamment des photos d'enfants. Il est déjà venu à Vincennes. C'était Yann Arthus-Bertrand, évidemment, vous le connaissez tout autant que moi, qui est une figure de la photographie et qui, en plus de ça, est un très beau personnage. Continuez, avec toujours autant d'enthousiasme, parce que je crois que les équipes de bénévoles font un travail incroyable autour de ce festival. Je sais que il y a les équipes de la ville qui sont évidemment très fières aussi d'accueillir ce festival et de se mettre à votre disposition pour que ce festival ait lieu. Donc continuez, parce que je crois que c'est à la plus grande fierté et à la plus grande joie des Vincennois que de poursuivre chaque année, enfin tous les deux ans, pardon, ce festival.